Regarde. Tu vois cette couleur? C'est rouge rubis, comme ton collier. Ça veut dire que cette année-là, on a eu un ensoleillement parfait sur le vignoble. Je crois qu'il est prêt. Va dire à ta mère qu'il faut qu'on mange du poulet ce soir. Ça ira parfaitement avec notre nouveau cru. Mais, allez, vas-y. Liste des 44 appellations communales de Bourgogne. Chablis, Côte de Nuit, Pouilly-Fussé... Oh. Je suis presque prête. Calme-toi, Jenna, ce n'est que moi. Je voulais souhaiter bonne chance à ma meilleure amie à l'aube du jour le plus important de sa vie. Ouais, surtout pas de pression, hein. Promets-moi que quand tu auras passé l'examen de maître sommelier, tu rentreras à la maison. Carrington est vide sans toi. Encore faut-il que j'obtienne le titre. Non, ne commence pas à douter, t'as tout pour y arriver. Merci. Ah, et devine qui remet les diplômes cette année. C'est Taylor Swift? Non, c'est Jennifer Huser. C'est une des femmes maîtres sommeliers les plus célèbres au monde. Je te laisse, je dois me dépêcher. D'accord, appelle-moi tout à l'heure. Promis. Pense à moi. Salut! Merci. Bonne journée. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Saverne. Contente de vous voir essayer. Merci, cette fois j'espère obtenir mon diplôme. Bonne chance. Soyez la bienvenue, mademoiselle Saverne. Vous avez 30 minutes pour identifier correctement les 6 vins qui vous sont présentés. Vous pouvez commencer, maintenant. Ici, nous avons un vin franc, un vin vif et précis, frais, léger de corps, avec une robe moyennement claire. Je sens des arômes d'ardoise et d'avril. Avec une dominante de poire, un soupçon de chêne et de sel. Il sent l'air marin. Donc, c'est un chardonnay français de Bourgogne, un chablis, grand cru. L'éclos, 2016. Ce vin est rond et bien charpenté, du nouveau avec monde, une dominante d'aromes de pamplemousse et de menthe. C'est un sauvignon blanc de Wero en Nouvelle-Zélande, 2019. Un haut rosal, 2018, de Rias Bachar. Un Saint-Julien, 2008, de la région de Bordeaux en France. De Rutherford, 2018, de la vallée de Napa en Californie, aux États-Unis. Alors, c'est un vin qui est puissant et étoffé. Opaque. Avec des notes de framboise, de prune. Un vin très fruité. Ça doit être un... Malbec. Et il me semble qu'il vient de San Rafael en Argentine. Non, non, pas un Malbec. Un Cabernet Sauvignon? Ah. Non, attendez, je réfléchis encore. Il vous reste 10 secondes. C'est un Cahors français de, je vais dire, 2016. Félicitations. Merci, madame Huser. Je savais que c'était un Malbec de San Rafael et j'ai douté de moi à la dernière minute. L'examen de maître sommelier est le test le plus difficile du monde. Beaucoup de gens n'obtiennent pas le titre la première fois ni la deuxième. Toi, tu l'as eu. J'arrive pas à croire que je doive attendre encore un an avant de réessayer. Jenna, tu n'es pas obligée d'être maître sommelier pour réussir ta vie. Ni pour avoir tout mon amour. Si, justement, si je veux travailler dans un restaurant comme Alluvial, il faut que j'aie le titre. Enfin, ne sois pas trop dur envers toi-même. Statistiquement, c'est plus facile de devenir joueur de basketball professionnel que maître sommelier. Il n'y en a que 190 dans le monde. Oui, mais seulement 27 sont des femmes. J'avais tellement envie d'être la 28e. Enfin, le bon côté des choses, c'est que maintenant que l'examen est passé, tu vas pouvoir ranger tes fiches. Et on va enfin se détendre. Tu as travaillé dur, tu devrais t'accorder un peu de repos. On vient de m'inviter à une dégustation de vin à Santa Barbara. Tu veux m'accompagner? D'accord. Bon, très bien.
Mais je compte bien repasser l'examen, donc je te préviens, je mets mes bouquins dans ma valise. Comme tu veux. Ce soir, j'ai réussi à vendre 12 bouteilles du Fleur de Ciel. C'est notre dernière acquisition. Oh, excellent. C'est bien, Edwin. T'as bien bossé. Et il m'en reste une demi-bouteille. Ça vous dit de le goûter? Bien sûr, si c'est votre dernière trouvaille. Vous savez, le plus important souvent, ce n'est pas la boisson, mais la personne avec qui vous la partagez. Ce vignoble a remporté le titre de meilleur établissement vinicole du monde 2 années consécutives. À la vôtre. À la vôtre. À la vôtre. Vous en pensez quoi? Il n'est pas très équilibré, il y a une touche d'acidité. Le guide des vins a attribué 98 points à cette bouteille. J'ai dû me battre pour en obtenir 10 caisses. Je vois. Je suis sûrement fatiguée. Si tant de gens l'apprécient, je ne vais pas les contredire. Je vais rentrer. Ok. Salut. Bonne nuit. Bonne nuit. Salut, Edwin. Ciao. Ce vin de la vallée de Napa date de 2009 et c'est un assemblage de Cabernet et de Merlot. Aujourd'hui, c'est un vin au goût intense, un vin plein d'énergie. Mais dans 10 ans, ces 2 cépages auront mûri ensemble pour former un mélange incomparable de saveurs. Les plus belles choses mettent des années à se développer. Elles se bonifient avec le temps, comme le mariage. C'est drôle, je n'avais jamais vu le vin comme ça. C'est tellement romantique. D'accord. C'est combien? C'est un grand cru et c'est le dernier que nous ayons encore en magasin. Il coûte 250 dollars. Vous ne pouvez pas vous tromper. Gardez-le 10 ans et vous verrez. Vous restez ici combien de temps? On repart dans quelques jours. Vous allez parfaitement bien ensemble. Oui, c'est vrai. Merci pour votre confiance. Merci. Et encore félicitations. Merci, passez une bonne journée. Alors, les domaines espagnols. Où est-ce que j'ai rangé mes fiches? Allemagne. Oh. Salut, papa. Laisse-moi deviner. Champagne 1973. Bien essayé. Mais là, je suis plutôt en train de réviser ma culture espagnole. Pourtant, je croyais que t'avais pris quelques jours de repos. C'est pas vraiment du repos. L'examen est dans 1 mois seulement et j'ai encore des tonnes de trucs à réviser. T'as le temps de caler une petite fête dans ton programme? Certainement pas, non. Et si je te disais que cette fête, c'est... moi qui l'organise chez nous pour nos 40 ans de mariage. Une fête surprise pour ta mère. Ah, génial, je suis contente pour vous. Alors oui, bien sûr, j'y serai. Je vais m'arranger pour venir quelques jours. Et pourquoi pas plutôt quelques semaines? Tu serais au calme, tu pourrais bosser tranquillement. C'est vraiment très tentant, mais ici, j'ai mes habitudes et mes livres et... tu sais aussi que la fête du vin et du terroir a lieu cette semaine. Et cette année, le concours vinicole est présidé par Jennifer User. Attends, comment? T'es sérieux? Je te connais trop bien pour plaisanter à propos de ça. Alors, tu vas venir? Tu sais quoi? Je vais venir. Je suis sûre que ça me fera beaucoup de bien. Mike, j'ai besoin de toi dans la maison. Super. Bon, ta mère m'appelle, je t'envoie un texto tout à l'heure. Ça marche, bisous. Allez, viens Baxter. Viens là, viens. Salut ma chérie. Salut, mais qu'est-ce que tu fais là? J'avais envie de passer te dire bonjour. C'est sympa ça. Et de voir ce qui se vend en ce moment. Ah, au fait, grande nouvelle. Mon père a appelé, il prépare son anniversaire de mariage et il veut que je vienne l'aider à l'organiser. Ah. C'est peut-être bien que tu te reposes avant l'examen. Oui, mais j'aimerais qu'on soit là-bas tous les deux. Peut-être pas tout le temps que j'y serai, mais disons... une semaine? Pour que je t'aide dans tes révisions? Non, pour profiter. Et aussi pour m'aider à réviser. Oh. Allez, sinon on va pas se voir pendant 2 semaines. J'aimerais beaucoup venir, mais tu sais comment c'est au restaurant. Je sais, je comprends. Mais je peux te rejoindre pour la fête. Super. D'accord. Merci. Ça marche. On se voit ce soir. Allez, à plus tard. À plus tard. Content de te voir. Je suis tellement contente de vous voir, moi aussi. Salut, Baxter. Salut, mon vieux. Viens dans mes bras, toi. Ah, t'es magnifique. Oh, maman. Tu m'as manqué. Laisse-la respirer. Laisse-la respirer.
Comme tu es belle. Oh. Madame le maître sommelier. On est très fiers de toi, non, tu sais. Non, pas encore, maman. Je repasse l'examen dans un mois. Cette fois, je suis sûre que tu y arriveras. Apparemment, j'ai bien réussi la partie théorique et l'examen de service. Maintenant, il ne reste plus que la dégustation. Cette fois, c'est la bonne. Devine qui j'ai croisé à la poste aujourd'hui. Qui ça? Allison. Et elle est très impatiente de te retrouver. J'ai tellement hâte de la voir. Au fait, j'ai remarqué qu'il y avait plein de gens sur la pelouse. C'est le nouveau vigneron du domaine. Il a changé pas mal de choses. Il pourrait pas aussi réparer le panneau à l'entrée? On a énormément travaillé à la qualité de nos récoltes. Tu veux que je t'emmène faire le tour des vignes? Allez-y, en route. Tu vas voir, j'ai planté aussi de la sauge et de la bourrache. La vigne adore ça. J'arrive pas à croire que tu cultives toute une parcelle sur la colline. Grand-mère Eleanor ne voulait pas planter là. C'est très sec et puis il y a des risques d'incendie. On a un bon système d'arrosage. C'est Marcello qui s'occupe de tout. Et tout est bio. Aidan pense que les vins naturels ne sont qu'une mode. Tout le monde est en train de passer au bio dans le coin. Plus de pesticides. Ils sont moins prisés et ne se gardent pas aussi longtemps que les vins traditionnels. Ils coûtent plus cher à produire et souvent ils ont un goût un peu... acre et amer. Je vois que t'as pas perdu ta langue. Allez, viens, on continue. En route. Oh. Allez. Ah. Merci. Oh non, c'est quoi ça? Regarde, des pucerons? Oh, il faut que tu fasses plus attention. Je m'inquiète pas pour ça. Je suis sûr que Marcello a un plan. Les critiques sont comment? Oh, excellentes. Il a vraiment été à la hauteur de sa réputation. Et il avait quoi comme réputation exactement? Eh bien, il a sauvé un vignoble en France. La sécheresse avait brûlé pratiquement toutes les vignes. Il a tout de suite mis en place une technique d'irrigation venue d'Allemagne. Et en quelques mois, toutes les plantes étaient revenues à la vie. Ah, impressionnant. Marcello a travaillé partout dans le monde. On a de la chance de l'avoir avec nous. Viens, je vais te montrer le nouveau chai. Marcello, Marcello, rien n'a pour lui. Salut, chérie. Salut, papa. Tu peux me rendre un service? Ta mère pense que je vais travailler dans la salle de dégustation, mais j'ai un rendez-vous en ville dans une heure. Je vais voir le traiteur pour parler de la fête. Donc, tu crois que tu pourrais me remplacer? Prends tes bouquins, si tu veux. Bien sûr. Ça me rappellera le bon vieux temps. Oh, la belle époque. Merci, chérie. De rien. À plus tard. Oui, salut. Bonjour, bienvenue au domaine Saverne. Buenas tardes, comment allez-vous? Bien, merci. Vous venez pour une dégustation, je peux vous proposer notre Pinot Noir de 2019. Je vais vous donner une petite leçon. D'accord. Super. La première étape de la dégustation, c'est de regarder attentivement la couleur. Qu'est-ce que vous voyez? Du rouge? Oui, oui, c'est juste, c'est rouge. Essayons d'être un peu plus précis. Vous diriez que c'est plutôt un rouge... profond comme le pavot ou plus doux comme le bougainvillier? Je dirais que la couleur me fait penser à la fleur de ceibo. C'est un arbre. On en trouve beaucoup dans mon pays. C'est quoi votre pays? L'Argentine. Oh, il y a des domaines vinicoles fabuleux en Argentine. Il paraît, ouais. Il va falloir que je trouve une photo de cette fleur. On n'a jamais assez de mots pour décrire une robe. Mm. Et vous êtes originaire de quelle région? Je viens de la région de Mendoza. C'est à l'ouest, au pied... près des Andes. Vous êtes forte en géographie. C'est indispensable quand on s'intéresse au vin. Enfin... je suis pas encore très au point sur certains Malbecs. La meilleure façon d'apprendre, c'est de visiter les lieux. Allez-y. Sans doute. Mais j'ai grandi ici, sur ce domaine. Et j'ai tout appris de ma grand-mère, Eleanor Saverne. C'était son vignoble. C'était une des premières viticultrices de la région. Ça doit être un sacré modèle pour vous. Et donc, vous avez prévu de suivre ses traces, j'imagine? Eh bien, j'espère un jour, oui. Mais pour l'instant, je suis sommelière. Ah oui? Maintenant, il faut sentir le vin. Fermez les yeux. Nous commençons à découvrir les arômes. Alors dites-moi, est-ce que vous sentez peut-être le parfum de la prune? On goûte? D'accord. Nous vendons notre cuvée réserve seulement 45 dollars la bouteille. Vous voulez en acheter une? Je vais voir, je dois y aller. Malheureusement, il faut que je retourne travailler, mais enchantée et encore merci pour tout. Oui, enchantée. Je m'appelle Jenna. Moi, c'est Marcello Castillo. Je bosse ici. Je suis le chef vigneron du domaine. Et maintenant que les présentations sont faites, je pense qu'on se verra bientôt.
Depuis la mort de grand-mère, nos ventes n'avaient jamais été aussi bonnes. Je voulais que Marcello participe au concours vinicole de Carrington, mais il n'aime pas la compétition. Il est vigneron et il n'aime pas participer à des concours. Ne le juge pas trop vite, il a beaucoup de talent et c'est ce qui nous importe le plus. Je vois. Salut, regardez sur qui je suis tombé en arrivant. Jenna, voici Marcello Castillo. Mucho gusto. On s'est déjà rencontré. Enfin, si on veut. Il est passé pendant que j'étais en salle de dégustation. Je croyais que c'était ton père qui faisait les dégustations aujourd'hui. Oui, j'y étais. Elle est juste passée 5 minutes. Me faire un petit coucou. Ah. Bon. Marcello, je suis sûre que ma fille et toi, vous avez des tas de choses à vous raconter. Elle est maître sommelier, après tout. Non, pas encore. Chérie, j'ai l'impression qu'il y a un plat qui brûle dans la cuisine. Oh, mon rôti. Ne bougez pas, on dîne dans 5 minutes. Tu veux que je t'aide, maman ? Non, 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 je m'occupe de tout. Ça va ? Je voulais vous dire que je suis vraiment désolé de ne pas m'être présenté tout à l'heure. Vous n'arrêtiez pas de parler et j'ai pas voulu vous interrompre. Je trouve que vous auriez dû. Vous étiez tellement emballé par ce vin ? Oui, disons que c'était un vin assez subtil et harmonieux. Pour un vin naturel. Votre père m'a dit ce que vous pensiez. Vous n'êtes pas la première à douter. L'inconvénient, c'est que s'il y a un problème à un moment, on ne peut pas le réparer. Vous appelez ça un problème, moi je dis que c'est un challenge. Pourtant, vous devriez aimer ça. Vous parlez d'examen, oui. Vos parents sont vraiment fiers de vous. C'est impressionnant de se lancer là-dedans. Ce sera impressionnant si j'obtiens le titre un jour. Et si vous obtenez ce titre un jour, vous ferez quoi ensuite ? Mon compagnon est propriétaire d'un restaurant 3 étoiles à San Francisco. J'aimerais beaucoup faire ma place dans ce milieu et avoir la chance de choisir les vins qu'on sert sur les tables des plus grands restaurants. Donc, l'objectif de cet examen, c'est de bosser dans un resto ? Oui, je toucherai un salaire beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. C'est un poste prestigieux à haute responsabilité dans un domaine très compétitif, surtout pour les femmes. Je vois. Et il se trouve que ma grand-mère, que j'aimais beaucoup, aurait voulu être maître sommelier, justement. Mais elle n'a jamais eu le temps d'apprendre toute la théorie et de se préparer parce qu'elle s'occupait aussi du domaine, donc... Donc je crois que je me suis mis en tête de réaliser son rêve à elle. Je comprends. Eh bien, si ça peut vous rassurer, je suis sûr que vous avez un grand avenir devant vous, Mademoiselle Saverne. Jenna. Jenna. Ravi de vous rencontrer à nouveau. Et je vais vous laisser. Bonne nuit. Bonne nuit. Je prépare la pâte. Super. Et les soufflés. Salut, ça y est, t'es là. Lucia, je te présente ma meilleure amie, Jenna. Salut, Jenna. Tu sais qu'Alison n'arrête pas de parler de toi. Lucia est hyper douée, je pourrais pas tenir ce magasin sans elle. C'est super de voir avec qui ma copine travaille. Qu'est-ce que vous préparez de bon aujourd'hui? Aujourd'hui, on a fait des scones aux noix et au gingembre. Tu veux goûter? En plus, c'est nous qui faisons toutes les pâtisseries pour la fête du terroir cette année. J'espère que tu viendras. Oui, c'est délicieux. Mais je serai là samedi, bien sûr. Non. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Mon père veut absolument payer pour le gâteau d'anniversaire. Non, jamais de la vie. J'ai passé presque toute mon enfance dans vos vignes. J'ai même cassé votre balançoire, tu te souviens ? Oui, enfin, c'était parce que je t'avais poussé trop fort. Ton père est génial. Il a largement mérité que je lui offre son gâteau. C'est très sympa de ta part. Merci beaucoup. Et est-ce que tu connais le nouveau vigneron qui bosse chez mes parents ? Marcello ? Oui. Mais il est pas nouveau. Toi, ça fait trop longtemps que t'es pas venu. Il a débarqué dans la salle de dégustation hier pendant que j'y étais et il a fait semblant d'être un mec lambda. Un mec qui passait par là, et moi je lui ai fait toute une leçon, et il m'a laissé continuer jusqu'à la fin sans rien dire. T'en fais pas pour ça, à mon avis il a simplement pas eu envie de t'interrompre. À propos de mec, comment va Aidan ? Il va bien. Il est hyper occupé au restaurant, mais il me rejoindra pour la fête. En tout cas, j'ai trop hâte de te présenter Derek. Derek, tu parles du journaliste ? Mm-hmm. Attends, ça veut dire que vous êtes officiellement... C'est officiel ! Sauf qu'il est pas encore au courant. Sauvignon blanc... Ça, c'est fait. Ça, c'est un 15. Salut, toi. Encore sur ton examen? Ouais, évidemment. Oh, ça suffit, non? Ça fait 3 ans que tu travailles comme une dingue. Tu peux peut-être avoir confiance en toi, maintenant. C'est pas si simple que ça, papa. Et si tu filais un coup de main à Marcello pour les accords mets et vins de notre dîner d'anniversaire? Qu'on le fasse à deux, je peux le faire toute seule, tu sais. Ouais, mais c'est plus marrant à deux. Tant que vous ramenez pas toutes vos fiches. Je peux savoir ce que vous avez contre mes fiches? Rien. Rien, je me dis juste que je vois pas comment...
On peut connaître un vin en lisant des fiches. Je pense qu'il vaut mieux mettre les mains dans la terre. Oui, sauf que c'est pas la terre qui va m'apprendre la définition d'une appellation d'origine contrôlée. Une quoi? Je vous fais marcher. Je connais très bien les normes de production de ce label. J'ai habité en Provence pendant 3 ans. Ah oui. Écoutez, c'est comme vous voulez. Je veux bien aider. Et cet après-midi, je suis dispo. Merci, Marcello. Il t'a bien eu, hein? Bon, laisse-moi bosser. Une quoi? Une quoi? C'est quoi ça? Je croyais qu'on se retrouvait en salle de dégustation. Il fait beau, je me suis dit qu'on serait mieux dehors. Alors merci. C'est vrai qu'on est bien ici. Oh, ça me fait plaisir. Et donc, comment vous vous êtes retrouvés à Saverne? J'avais toujours rêvé de vivre en Californie et j'ai vu l'annonce pour le poste sur Internet. Mais on ne faisait pas du vin bio à l'époque. Oui, je sais. Mais j'ai réussi à convaincre votre père de modifier sa méthode. Moi, je suis persuadé que un vignoble bio, c'est un vignoble qui a de l'avenir. Et comment vous comptez vous débarrasser des pucerons sur les vignes? C'est moi qui suis en train de passer un examen. Vous avez changé énormément de choses ici. Je veux m'assurer que mes parents sont entre de bonnes mains. Je comprends très bien. C'est normal. Tenez, un petit entraînement. D'accord. Un vin végétal et épicé avec des notes d'agrumes. Un Grüner Veltliner, un vin autrichien. Bonne réponse. Et avec quel plat il pourrait bien aller? Une salade au bleu et au poire? Ça me paraît bien. Super. Ouais. Et sinon, vous venez de quel coin exactement? Dans la province de Mendoza où pousse le Ceibo? J'ai grandi dans les vignes, dans un petit village qui s'appelle Olivia. Vous savez que le deuxième prénom de ma grand-mère était Olivia? Non, je savais pas, non. Ah. Enfin bref, malheureusement, on a perdu notre exploitation. J'ose pas imaginer ce que ça me ferait de perdre ce domaine. C'est pas facile de se sentir chez soi quelque part. Vous avez de la chance. Prête pour le suivant? Oui. Un Tempranillo de la Rioja en Espagne. Exact, c'est ça. Très bien. En plus, j'adore les vins espagnols. Vous savez, il y a un bar qui s'appelle Casa de Guardia, à Malaga. Où Picasso allait souvent. Il est né là-bas. Comment vous saviez que j'allais parler de ça? J'ai étudié le sujet. Je pense que ce vin irait bien avec un assortiment de légumes grillés. Dites-moi, comment ça se fait que vous voyagiez autant? La principale raison, c'est que j'adore les voyages depuis toujours. Je trouve que c'est la meilleure façon d'apprendre. Je découvre l'histoire d'un pays et en même temps, je perfectionne l'art de fabriquer du bon vin. C'est drôle, on dirait une réponse préparée à l'avance. Vous trouvez? Eh bien, peut-être aussi que je n'ai pas encore trouvé où j'avais envie de poser mes valises. Allez, il en reste encore un. Ce vin est très surprenant. Je sens le cassis, la prune, et c'est bien de la cardamome? Il est sûrement trop cher pour la fête de mes parents. Quoi? Quoi? Est-ce que c'est un Malbec? Pourquoi je me trouve toujours sur les Malbecs? Non, paniquez pas, calmez-vous. Ça va aller. Fermez les yeux et inspirez un coup. Reprenez le verre. Voilà, ressentez les choses, comme votre grand-mère Eleanor Olivia vous l'a appris dans votre enfance. Des feuilles d'arbres agitées par le vent, des framboises et des prunes par une chaude journée d'été. C'est un vin du domaine Saverne, c'est ça? Je vous présente notre cuvée réserve de l'année dernière. Et vous aviez raison, c'est un Malbec. 100% naturel. Eh bien, il est très réussi. Vidane, il faudrait que tu ajoutes ce vin à la carte de ton restaurant. Il ressemble un peu à
un château neuf du pape, mais encore plus fruité. Jenna, je suis pas sûr que tu sois très objectif. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est le domaine de ta grand-mère. En plus, tu sais que je ne mets à la carte que des vins qui ont été primés ou médaillés. Je sais, je voulais juste te faire part de ma joie, je crois vraiment. Écoute, je dois m'occuper des clients, je peux te rappeler tout à l'heure? Oui. Oui, bien sûr. Ok, à plus tard. À plus tard. Papa ? Papa ! Il faut que tu convainques Marcello de participer au concours vinicole. Le concours tombe le lendemain de notre anniversaire de mariage, je te rappelle. Ça fait trop de choses en même temps. En plus, je te l'ai dit, Marcello n'est pas friand de ce genre de compétition, et je respecte son choix. Mais papa, ce vin pourrait changer l'avenir du domaine. Il nous ferait passer d'un vignoble modeste à un des meilleurs producteurs du pays. Tu as un anniversaire de mariage à préparer. Laisse Marcello s'occuper du vin, d'accord ? Comment va Aidan ? Aidan ? Il va très bien. Salut. Je te la fais courte, foire artisanale dans 20 minutes, balade entre copines. Je peux pas, je suis en pleine révision. T'as un cadeau pour l'anniversaire de mariage de tes parents ? Non, j'ai pas de cadeau. Bien vu, c'est vrai. Alors, ok, je vais aller avec toi à la foire artisanale. Et je chercherai un truc là-bas. Mais juste pour une heure, pas plus. D'accord ? Tu peux emballer les pains au chocolat ? Ça me va très bien. On se retrouve là-bas, alors. J'avoue que cette pause me fait du bien. J'en étais sûre. Oh, regarde, tu veux pas jouer au tombalo ? Sûrement pas, non. Pourquoi pas le gob-pomme, alors ? Et pourquoi pas aucun de ces trois jeux dangereux ? En fait, t'as peur que je batte ton record, c'était quoi, déjà 40 pommes ? 42, pour être précise, et je sais que tu n'arriveras jamais à me battre. Mes parents sont mariés depuis 40 ans, qu'est-ce que je pourrais bien leur offrir qu'ils n'ont pas déjà chez eux ? T'en fais pas, tu vas trouver, il y a tellement de trucs cool ici. Oh, attends, est-ce que je t'ai déjà parlé d'elle ? Oui, peut-être une fois ou deux, ou plutôt des centaines. Elle est maître sommelier et elle s'est battue pour que les grands vins soient accessibles à un large public. C'est une femme hyper respectée dans le milieu. Toi aussi, un jour tu seras respectée dans le milieu. Allez, viens. Elle est jolie. Merci. Tiens, regarde qui est là. Salut. Salut. Vous profitez de la foire pour faire des cadeaux ? Des cadeaux pour moi-même. Très joli bracelet. Justement, je cherche des choses à envoyer à ma sœur et à mes nièces à Buenos Aires. Oh, c'est gentil de penser à elle. Et moi, je me demande ce que je pourrais offrir à mes parents. J'ai vu un truc pas mal. À mon avis, ça pourrait leur plaire. Ah, super. Vous pouvez nous montrer ? Ouais. Ce serait parfait pour l'entrée du domaine. Chips. Ce beignet est délicieux. Jenna Saverne. Oh, c'est alors. Comment ça va depuis le temps? Je m'occupe en étant présidente de cette fête modeste et conviviale. Je vois, c'est magnifique et t'as dû te donner un mal fou. Depuis quand on ne s'est pas vu? J'ai appris que tu étais maître sommelier à San Francisco et que tu avais un joli fiancé. C'est pour bientôt le mariage. Comment il s'appelle encore? Eh bien, il s'appelle Aidan et il est à la tête d'un grand restaurant. Ta mère n'arrête pas de me parler de tous tes projets. Elle est tellement fière de toi. Et je n'arrive pas à croire que Carrington ait donné naissance à un grand maître sommelier. En fait, je dois passer l'examen à la fin du mois, donc ce n'est pas encore fait. Bon. Jenna était très bonne élève à l'école primaire et elle ne cesse de briller depuis. Donc, si j'ai bien compris, tu connais Marcello, notre vigneron. Ah, on est des vieux copains. C'est lui qui maintient mes chevaux en forme. Ouais, je monte à cheval, parfois. Ça me rappelle la maison. Philippe se languit de toi. Et je me languis de Philippe. C'est un cheval. J'avais deviné, oui. Et avant que vous posiez la question, je ne monte jamais à cheval. Quoi ? Tu t'es toujours permise du petit accident que t'as eu il y a des années ? Pourtant, c'était rien non, du tout. Bah non. D'ailleurs, j'ai encore la cicatrice, là. Regarde. Là. Je ne vois aucune cicatrice. Je vois rien non plus. D'accord, c'est bon. Peut-être que la cicatrice est psychologique, mais je vous jure qu'elle est bien là. Enfin bref, figure-toi que j'essaie de convaincre Marcello d'inscrire les vins de Saverne au concours vinicole, mais cette tête de mule me dit toujours non. Ah oui, c'est vrai ? Ouais, ça m'intéresse pas, ces trucs-là. Les médailles, les concours, tout ça. Enfin, tu as encore quelques jours pour t'inscrire. Oh, vous pouvez m'aider. Le concours de gobage de pommes a lieu cet après-midi et le comble, c'est qu'on n'a pas assez de pommes. J'aurais besoin de main-d'œuvre pour aller en cueillir quelques kilos au verger de Davos. Ce serait avec plaisir, mais je dois retrouver mon copain dans pas longtemps. Il faut absolument que je retourne à mes révisions. Allez, vous pouvez prendre 5 minutes pour dépanner Peggy. Oui, allez, fais-le pour Peggy. Mais si, vous réviserez demain. Pourquoi tu fais ça ? Allez, venez, on revient bientôt. Parfait. Vous rentrez souvent chez vous ? Je veux dire, en Argentine. Pas aussi souvent que je le voudrais. Tous les 2 ou 3 ans, quand je suis entre deux boulots, si j'enchaîne pas tout de suite. C'est comment, là-bas ? C'est aussi beau qu'on le dit.
Ouais, mais pour moi, le plus triste, c'est de ne pas voir les gens que j'aime. Surtout qu'on organisait toujours des énormes dîners à la maison, avec toute ma famille. On faisait tous la cuisine, on plaisantait, on goûtait le vin qu'on avait fabriqué nous-mêmes. Enfin, c'était très joyeux. C'était les moments les plus heureux de ma vie. Pourquoi vous êtes parti ? Eh bien, tout ce que je sais sur le vin, c'est mon père qui me l'a enseigné. Je m'occupais des vignes avec lui. Et lui, il avait construit ça à partir de rien. Il soignait les moindres détails, jusqu'à la plus petite abeille. Il étudiait le sol, les fleurs qu'il plantait dans les vignes. Et un jour, notre vin a attiré l'attention d'un homme, le patron d'une entreprise de distribution, et il nous a forcés à vendre les terres. Et ensuite, mon père est mort peu de temps après, et le vin n'a jamais retrouvé son goût d'origine. Ah, c'est une histoire très triste. Ouais. Je crois qu'on en a assez. Ouais, ça devrait aller. On y retourne ? Ouais. Opération réussie. Très réussie. Oh, c'est parfait. Merci pour votre aide si précieuse. Aucun problème. Un de nos participants a eu un empêchement de dernière minute. Jenna, tu veux bien prendre sa place ? Tu étais si douée quand tu étais petite. Je vais y aller. Je veux bien le faire. Tu es merveilleux. Viens, ça va commencer. J'ai peur. Je vais te débrouiller comme un chef. Moi, j'ai pas du tout. Allez, c'était toi la meilleure. Je suis au courant. Et voilà pour vous, oui, monsieur. Je dois aller. Oui, ok. Elle a triché et je l'ai laissé gagner. Tiens, c'est cadeau. Oh, vraiment, c'est pour moi. C'est trop, merci du fond du cœur. Merci, je le garderai précieusement toute ma vie. La deuxième place, c'est bien aussi. Est-ce que je peux au moins emporter quelques pommes à la maison ? Oui, bien sûr, tu l'as bien mérité. Oh, j'aurais dû te le dire avant, cette petite gagne tous les ans. Bon, je rentre, on se verra plus tard au d'accord, domaine. D'accord, c'était une merci encore, Marcello. Et reviens nous voir à la fête. À bientôt. Peggy ? Attends, Peggy ! On a jusqu'à quand pour s'inscrire au concours vinicole ? Bonsoir. Salut. Ça sent la pâtisserie à des kilomètres à la ronde. Ah, ouais. Allison m'a donné une de ses recettes. Et j'avais envie de faire honneur aux pommes de Peggy. Ma cuisine était dans un état lamentable. Et ta mère a bien voulu me prêter son four, à condition que je garde une part pour elle et ton père. T'as déjà dîné ? Non, mais il faut absolument que je mange un peu de tarte. Immédiatement. Ouais, t'as raison. Oh, elles vas-y, sont goûte. Tellement bon, c'est dingue. Tu sais ce qui manque ? Une boule de glace vanille avec une larme de vin de Xérès par-dessus. Vous, vous êtes maître sommelier, non ? Tout ce que tu fais pour moi depuis que je suis arrivée, ça m'aide beaucoup. C'est parce que, pour moi, le vin, c'est une expérience qui se partage avant tout. Plus que des connaissances. C'est drôle, le maître sommelier du restaurant d'Aidan m'a dit la même chose un jour. Pourquoi ce restaurant est si important ? Qu'est-ce qu'il a de si attirant pour toi ? Aidan, il s'est battu comme un fou pour réaliser son rêve. Il s'est tellement investi, un peu comme mes parents, dans leur vignoble. C'est le projet de sa vie et... j'ai très envie d'en faire partie aussi. Si je pouvais lui apporter mon aide, si on travaillait ensemble, ce serait un rêve pour moi. Ce serait le bonheur. Mais je doute tout le temps, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Tu plaisantes. Jenna, tu es à la hauteur. Tu ne te rends pas compte du talent que tu as. Tu pourrais travailler où tu veux. Il faut juste que tu fasses confiance à ton instinct. T'es prête ? Qu'est-ce que tu fais ? Je fabrique un centre de table pour l'anniversaire de mariage de mes parents. Ça a l'air joli.
Je reviens à ce que je disais l'autre jour. Tu sais que je ne te demanderai jamais de mettre un vin de mes parents sur ta carte si je n'étais pas convaincue qu'il irait parfaitement avec le menu d'Alvial. Oui, écoute, salut. On verra ce qu'il donne au concours vinicole. Ou autre possibilité, c'est que quand tu viendras pour la fête, tu prendras une bouteille pour le faire goûter à Edwin. Le truc, c'est que ce serait mieux qu'il ait été validé par un jury. Ou que moi, j'ai été validée par un jury. Mais non, Jenna, arrête. Je sais que tu t'y connais. Je ne mets pas en doute tes compétences. Tu doutes de quoi, alors? Écoute, attendons de voir s'il gagne un prix au concours. Tu me manques beaucoup, ok? Je sais que c'est pas facile pour nous en ce moment, mais tu es tellement prise par tes révisions que... Franchement, j'ai hâte que ce soit fini pour qu'on puisse se retrouver un peu. Je vois. Marcello! Il faut que je te parle d'un truc super important. Tu te souviens que tu m'as demandé comment j'allais me débarrasser des pucerons? Oui. Quoi, des coccinelles? Ouais, elles portent bonheur et en plus, elles mangent les parasites. Tu veux m'aider à les installer? On va leur présenter leur nouvelle maison. En fait, je veux vraiment inscrire ton vin bio au concours vinicole. Ouais, mais je crois que c'est trop tard pour les inscriptions. Je nous ai déjà inscrits. Je suis désolée, j'ai pas pu résister. Ah. Si t'es sûr que tes méthodes sont bonnes, tu devrais être fier de le prouver à tout le monde. Je crois que le vin est une preuve largement suffisante. Merci. T'as peur, c'est ça? Non. Attends, je comprends. Et j'ai peur, moi aussi. J'ai peur d'échouer encore une fois à mon examen, mais ça m'empêche pas de réessayer. Tu me files un coup de main ou pas? Oui. Quand les vignerons se mettent à vouloir obtenir des récompenses, leur seul objectif, c'est de plaire à un groupe de critiques. Et alors le vin s'appauvrit, il perd son identité, enfin il n'a plus de sens à mes yeux. Si j'ai pris cette initiative, c'est parce que je crois en ce que tu es en train d'accomplir sur le domaine. Je n'ai pas besoin d'attention. Marcello, je t'en prie. S'il te plaît, fais-le pour moi, pour ma famille. C'est le seul moyen pour que notre vin soit vendu à un large public. Il mérite d'être sur les tables des plus grands restaurants. Pourquoi c'est si important? Est-ce que ça ne pourrait pas simplement être un vin hors du commun qu'on fabrique pour les amis, la famille et les gens qui savent apprécier ce qui est fait avec le cœur? Pourquoi ne pas partager ce que tu as dans le cœur avec le reste du monde? Tu as un vrai don, Marcello, je t'assure. Marcello? Ouais? Je voulais m'excuser pour ce que j'ai dit hier. C'était déplacé et je n'aurais jamais dû t'inscrire contre ta volonté. Je croyais agir dans l'intérêt de ma famille, mais... Excuse-moi. Comment je pourrais me faire pardonner? Retrouve-moi à l'entrée dans une heure. Et mets des bottes. Ah non, 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 pas ça. Ah, si c'est ce que je crois, c'est non. Voilà. On y est. Salut, vous deux. Salut, Peggy. Peggy? Viens. Qu'est-ce qu'on fait ici? Tu vas voir. Attends, tu sais que... Tu te souviens que je n'aime pas les chevaux? C'est bien, Jenna, je suis fière de toi. J'ai toujours dit qu'il suffisait que tu remontes en selle pour que tu reprennes goût à l'équitation. Comment, quoi? Qu'est-ce qui est censé se passer ici? Tu veux toujours te faire pardonner? Tu veux que je monte à cheval? Non, non, désolé, ça ne va pas être possible. Mais vas-y, toi, profites-en. Moi, je vais attendre ici, je préfère non, regarder comme ça. Non, ton étalon t'attend. C'est vraiment un étalon? Non, c'est pas un étalon, il est castré. Enfin, c'est un cheval, c'est tout. Je suis sûr qu'il va t'adorer. Non, allez, viens. Suivez-moi. Voilà, donc je te présente Philippe. Salut, Philippe. Non, je vais pas y arriver. Désolé. Mais si, tu vas y arriver. Je peux pas monter. Allez, je vais t'aider, viens. C'est par là. Oh, non. Alors, tu mets la main là-dessus. Okay. Ici, là, et ton pied. Voilà, c'est ça. Monte. Non. Tu y es? T'as réussi. Et voilà, bravo. Une vraie pro. Tout va bien. Hé, hey, Philippe, sois gentil avec moi, d'accord? Merci. T'es prête? Je crois. Amusez-vous bien. Merci, Peggy. À plus tard. Ça va aller. Cher, on est qu'au petit trou. Reprends un peu direct. Voilà, c'est bien, voilà, c'est ça. Et ralentis. Doucement, et tu as appris où à monter? Parle-moi, ça va me calmer. Ok, c'est quand j'étais enfant en Argentine, j'adorais ça. J'ai toujours adoré les chevaux.
Mon oncle possédait un ranch dans la Pampa. Et quand on se promenait, parfois on tombait sur un caballo criollo. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cheval sauvage. C'est une race de chevaux très réputée, un peu comme une voiture de luxe. Et quand on en voyait un, on essayait évidemment de l'attraper pour le ramener au ranch et le débourrer. Attends, tu es en train de me dire que tu as dressé des chevaux sauvages? C'est ça, oui. Ah bah oui, bien évidemment. Regarde, c'est vraiment beau ici. On est dans quel vignoble? Le domaine Noni. T'as passé ton enfance ici et tu connais pas ces coins? Ah oui, ça va. Je suis partie très tôt, d'abord à l'université, ensuite je suis allée passer un an à Paris, et depuis je n'ai pas arrêté de bosser dans la restauration. D'accord, j'ai rien dit. Et en ce moment je suis chez un caviste pour parfaire mes connaissances. Je suis une femme occupée, d'accord. Je suis occupée moi. D'accord. Ah, c'est pas croyable. Tu vois le raisin qu'ils ont planté? C'est du carménère. C'est ce cépage-là qu'on cultivait dans nos vignes en Argentine. C'est logique. On est plus à l'est, donc il fait plus frais et plus doux. Waouh! C'est le même raisin. Tu devrais cultiver tes propres vignes un jour. Un jour ou l'autre, oui, j'aimerais bien. Ouais. Pourquoi pas celle-là? Elle serait parfaite pour toi. Regarde, il y a même déjà les abeilles. Ça y est, c'est bon pour le cheval. On peut arrêter maintenant? Je peux descendre? Encore un peu. Non, allez, s'il te plaît. C'est reparti. Allez, mon grand. Allez, avance, Philippe. Râle pas, tu t'en sors super bien. Voilà, c'est ça. T'es content maintenant? Tu me pardonnes? Ouais. Ouais. Bravo, je suis super fier de toi et je te félicite d'être remonté sur un Merci. Cheval après toutes ces années. Et tu devrais essayer de te reposer un peu parce qu'on va devoir se lever tôt demain. Ah oui? Mm-hmm. Je... On doit installer le pique-nique, tu te rappelles pas? Je t'assure qu'on a dit à Allison qu'on lui filerait un coup de main. Oui, c'est vrai. Je passe te prendre à 8h. Ok. Super. Super. Bonne nuit. Bonne nuit. Donc je reste seulement jusqu'à la fin de la semaine. Jusqu'à vendredi. Tu es vraiment obligé de partir si vite? Un poste de ce type à Paris, ça ne peut pas se refuser. Mais si tu le permets, j'aimerais te recommander quelqu'un pour me remplacer. Je t'en prie, vas-y, au contraire. Tu sais combien je me fie à ton jugement. Jenna. Jenna? Elle a un nez extrêmement fin. Elle repère souvent des notes que je n'ai pas senties. Ce genre de talent ne se croise pas tous les jours. Je vais réfléchir à la question. Ça a été un honneur. Bonne route. Quoi? Edwin a démissionné? Oh non, je suis désolée d'apprendre ça. Du coup, tu cherches quelqu'un pour le remplacer? Quoi? Aidan? Hein? Tu m'entends? Aidan? Bah voilà, on a été coupés. Ouais, sur cette partie de la route, y a pas beaucoup de réseau. Est-ce que tout va bien? Ouais, sauf que le sommelier d'Alluvial vient de donner sa démission. Du coup, Aidan se demande s'il va réussir à prendre quelques jours pour venir à la fête de mes parents. Oh, mais ça va, c'est dans une semaine. D'ici là, il aura peut-être résolu le problème. C'est le boulot de tes rêves, non? Oui, c'est ça. Ouais. Et vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça fait 3 ans. C'est du sérieux? C'est une relation qui m'apporte tout ce que je pouvais espérer. C'est un homme intelligent et passionné, avec des connaissances inépuisables sur le vin. Alors il ne devrait pas hésiter une seconde. À mon avis, son nouveau sommelier est tout trouvé. Et toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie? Ça fait un bout de temps que non. En Allemagne... J'étais avec quelqu'un et elle m'a demandé de rester, mais j'étais pas prêt. Parfois, je me demande si j'ai eu raison, si j'ai pas eu tort de partir. Mais je crois que non. J'ai pas eu envie de poser mes valises. Donc j'ai repris la route. J'espère qu'elle va nous laisser manger un ou deux croissants. Je meurs de faim. Oh
non. Qu'est-ce qui t'arrive? Où est Lucia? Elle est malade, comme par hasard, aujourd'hui. Je fais n'importe quoi depuis ce matin. J'essaie de tout préparer, de tout emballer toute seule, mais je vais jamais y arriver. En plus, j'ai brûlé mes croissants. Ça va aller, on va tous s'y mettre. Regarde ces horreurs. Vous pouvez plus rien faire pour me sauver. Attends une seconde. Marcello et moi, on va aller à la fête préparer la table. Ouais. Et toi, tu te concentres sur tes pâtisseries. C'est trop gentil. Je sais pas ce que je ferais sans vous. Oui, oui, allez, en route. Les cupcakes. Bonjour mesdames, je vais vous faire goûter notre Zinfandel à vendange tardive, un vin élaboré ici à Carrington. Je vous laisse découvrir ces arômes. Vous allez voir, on trouve des notes de noisettes et de fruits rouges, notamment de la cerise et même une pointe de cannelle. C'est un vin qui se marie bien avec un plat sucré, par exemple avec les gâteaux de mon amie Allison. Oh, on sent les fruits. Et la cannelle aussi, c'est vrai. Sachez aussi que c'est un vin bio 100% naturel. Ah bon? Le bio, c'est très bien. Merci, passez une bonne journée. Madame, j'aimerais prendre une photo de vous et de votre magnifique stand pour la Gazette de Carrington. Je veux bien poser pour vous. Non, attends, sérieusement, je veux bien une photo. Oh, je croyais que tu plaisantais. Je vais demander à Jenna et Marcello de venir sur la photo. Jenna, Marcello, venez, on va prendre une photo. Alors, ça va? Donc, Derek, je te présente Jenna, ma meilleure amie, et Marcello, son... C'est le vigneron du domaine Saverne, et maintenant, un bon ami. Oui, c'est ça. Eh bien, bonjour. Bonjour. Alors, Jenna, je te présente mon amoureux, le merveilleux Derek. Donc, c'est officiel. Allison m'a beaucoup parlé de vous. Je peux prendre une photo de vous trois pour le journal local? Oui, bien sûr, oui. Ok. Ok. Très bien, souriez. Dites vigne. Dites pâtisserie. 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 Voilà, voilà. Ok, continuez. C'est bien, c'est ça. Je vous laisse. C'est cool, les enfants adorent jouer avec toi. Pas vraiment. C'est parce que je fais semblant d'être leur entraîneur. Promenade en calèche. Dernier appel pour les promenades en calèche. On devrait faire un tour. Quoi? Nous? Moi? Non, 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 sans façon, je veux pas. Non, 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 non. Non. C'était une longue journée. Oui. Et t'étais super quand tu servais le vin. Je t'assure, on sent à quel point t'es passionné quand tu parles des saveurs et des arômes. Merci. Tu sais ce que j'ai appris? Les vignes où je t'ai emmené quand on était à cheval. Oui. Elles sont à vendre. Quoi? T'es sérieux? Oui. Alors tu vas devenir propriétaire? Ça m'étonnerait que j'ai assez d'argent. Enfin, pas pour l'instant. J'envoie une partie de ma paie tous les mois à ma mère et à ma sœur, en Argentine, donc ça me paraît difficile. Tu pourrais trouver des investisseurs? Ou peut-être prendre un associé? Je sais pas. C'est vrai que... c'est pas une mauvaise idée, mais... il faudrait que je m'associe avec la bonne personne. Ouais. Moi, je trouve que tu devrais le faire. Surtout si c'est ton rêve. Aux États-Unis, tout le monde parle de ça. On dit qu'il faut réaliser son rêve, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont jusqu'au bout. Sauf toi, bien sûr. On verra si je le réalise un jour. Oh, t'as froid. Ah non, ça va, c'était juste un petit Tiens, coup de vent. Mets ça. Passager. C'est mieux. Merci, c'est vrai que c'est mieux. Vas-y, pose-moi des questions sur la viscosité dynamique. Tu veux pas qu'on reprenne cette conversation demain? Si, oui, d'accord. Comment se présente le remplacement d'Edwin? J'avance pas trop. Je reçois des candidats tous les jours. D'ailleurs, Jeremy Kemp doit venir aujourd'hui pour un deuxième entretien. Est-ce qu'il est bien? Il est assez froid, salut. Pas très avenant, mais il s'y connaît en vin. Bien sûr, il est maître sommelier, donc. Jenna. Tu voudrais engager quelqu'un pour quand? Idéalement, le plus tôt possible. C'est pas facile de tenir un restaurant et de superviser la cave en même temps. Je me disais que quand j'aurais passé l'examen, j'aurais du temps libre, donc peut-être que je pourrais te... Jenna, est-ce que je peux te parler une minute? Oui, je... Oh, oui! Pardon, Aidan, désolé de vous interrompre. Salut, Mike. Vous en faites pas, c'est rien. On n'a qu'à se rappeler tout à l'heure? Ok, c'est ça, on se rappelle. Alors, j'ai besoin que tu m'aides à sortir ta mère de la maison. Comme ça, je pourrais transporter les tables et les chaises dehors, près des chais. Il y a un atelier pour fabriquer des bougies à la foire. Tu veux bien l'emmener? Oui, bien sûr. Je vais l'emmener.
T'es génial. Je crois que j'ai pas intérêt à changer de voix. Maître sommelier, c'est déjà assez prestigieux comme voix. Oui, mais je le suis pas encore. Oh, je le suis pas. Maman, tu sais que j'ai déjà échoué à cet examen, 2 fois en plus. À t'entendre, on dirait toujours que c'est fait, que j'ai déjà été reçue. Et ça me met encore plus la pression, surtout que t'arrêtes pas d'en parler à tout le monde. Oh, oui, c'est parce que je suis fière de toi que j'en parle. J'aime raconter aux gens tout ce que fait ma fille. Oui, je comprends, c'est pas un reproche, c'est... J'ai pas envie que tu sois déçue. Chérie, écoute, quoi qu'il arrive, tu ne pourras jamais me décevoir. Je te promets que je n'en parlerai plus. Merci, maman. De rien, trésor. Tu sais que ça va être notre anniversaire de mariage à ton père et à moi. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est dans quelques jours, c'est ça? Bah oui. Je commence à me demander si ton père n'a pas complètement oublié la date. Papa, maman a peur que tu aies oublié votre anniversaire. Oh, j'ai prévu de l'emmener dîner au restaurant vendredi soir. Et qu'est-ce que t'as prévu pour samedi quand on sera en train de préparer la fête? Je peux l'envoyer à la fête du terroir, non? Encore? Je crois que tu devrais l'emmener passer la nuit dans un hôtel romantique vendredi soir. T'as pas besoin de moi pour tout mettre en place? Enfin, j'ai surtout besoin que maman reste loin d'ici la veille pour qu'elle ne se doute de rien. Marcello et moi, on installera tout. D'accord, c'est une bonne idée. Super. Pendant que j'y pense, tu sais à qui appartient le domaine Noni? Bien sûr, c'est mon copain Gilles Crowley qui possède ses vignes. J'étais à l'université avec lui, le domaine porte le nom de sa fille. Ça fait un moment qu'il l'a mis en vente, on dirait. Tu songes à acquérir ton propre vignoble? Oh, non, c'est pas ça. C'est pas pour moi, ce serait pour... Jenna! Jenna! Je reviens tout de suite. Salut! Salut! J'étais en train de parler de toi, justement. Attends, me dis rien pour l'instant, j'ai une surprise pour toi, si tu veux bien me suivre. Tu peux? Oui, je te suis. Cool. J'étais avec mon père. Il connaît le propriétaire du domaine qu'on a vu. Ah oui? Oui. Est-ce que tu as déjà goûté la cuisine argentine? Non, en tout cas, pas préparé par un argentin. Oh, señorita, asseyez-vous, ça va être prêt dans une minute. D'accord. Une minute, voilà. Ah, et en plus, ça sent super bon. J'avais pas remis les pieds dans cette maison depuis la mort de ma grand-mère. Ton père avait proposé de me trouver un logement en ville, mais en général, je préfère vivre sur les terres que je cultive. Je vois que t'as apporté quelques améliorations. Oui, une ou deux, des choses essentielles. Et t'as gardé les tableaux peints par ma grand-mère. Je les aime bien. Elle avait tellement de talent. Quoi? Est-ce que je peux t'aider? Ça va, c'est rien, tout va bien. Laisse-moi t'aider, je peux prendre... Ça va. Allez, assieds-toi, assieds-toi, vas-y. Ok. D'abord, on a des empanadas. Wow, ils ont l'air parfaits. Ouais. Attends la suite. Je t'ai fait aussi du churraco. Ok. C'est beau. Le churraco, chez nous, c'est... un steak Merci de bœuf grillé bien juteux. Et pour sublimer la viande, tu dois absolument mettre de ça. Qu'est-ce que c'est? Du chimichurri, mais la version classique, verde. Oh, c'est délicieux, j'espère que tu me passeras la recette après. La recette vient de mon père, il tenait toujours le barbecue dans le jardin de notre maison quand j'étais enfant. Mais en gros, c'est facile. C'est du persil et encore du persil. Du persil, donc c'est le persil l'ingrédient secret du plat. Oui, frais et finement haché. Et pour accompagner ce menu, tu veux deviner le vin? Ah oui, oui, j'adorerais essayer de deviner. Super, déjà, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y a aucun vin qui irait mieux avec ce plat. Je te sers. Merci. Il est tannique, frais et vif. Je dirais que c'est un Malbec de la région des Andes. Il est très terreux. Non, ça, c'est à cause du persil. Il doit venir de Maipú, en Argentine. Un Bodega Zuconda de l'année 2002. Tu y étais presque. Oh non. Il vient du vignoble de ma famille dans les Andes. C'est un Rio Córdoba 2002. C'était une année vraiment extraordinaire. Il nous en reste plus que quelques bouteilles. Cet été-là, la fraîcheur de l'air et le vent avait amené les raisins à produire ce vin extrêmement harmonieux, enfin, le meilleur qu'on ait jamais obtenu. Et cette précieuse bouteille me suit depuis toujours. Et donc tu as ouvert cette bouteille pour notre dîner? Tu l'as ouverte pour moi? Il n'y a personne avec qui j'aurais plus envie de partager ce souvenir.
Surtout parce que je savais que tu l'apprécierais. Tu avais raison, trinquons. Trinquons. Vas-y. D'accord. Ah, oh, j'ai trop mangé. Je me suis régalée. C'était le meilleur dîner de toute ma vie. Quoi? Je croyais que t'étais habituée au resto étoilé. C'est pas les étoiles qui comptent. Ah, j'ai quelque chose à te montrer. Je nettoyais un placard et j'ai trouvé ce tableau. Je me demandais, est-ce que c'est toi quand t'étais enfant? Je crois, oui, oui, fais voir. C'est ma grand-mère qui a dû peindre ça. J'avais jamais vu ce tableau, c'est drôle. Je me dis que ça ferait un super cadeau d'anniversaire pour tes parents. Tu trouves? Tu crois que ça leur plairait? C'est très gentil de penser à eux, merci. C'est rien du tout. Tiens, là. C'est mieux, non? Attention, tu risques de t'envoler. Hey Dan, salut. T'arrives à quelle heure? Jenna, je suis désolée, il faut que je te dise quelque chose. Oui? Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ça va? J'espérais vraiment que j'arriverais à trouver la bonne personne avant aujourd'hui. J'ai essayé, j'ai passé toute la semaine à m'arracher les cheveux. Et j'ai décidé que... je vais pas pouvoir venir à la fête. Je suis sincèrement désolée. J'ai fait des offres à plusieurs candidats, mais pour l'instant, personne n'a accepté. J'espérais que le problème serait résolu et que je pourrais te rejoindre, mais je peux pas quitter le restaurant maintenant. Donc, en gros, tu dis que tu ne viens pas. Je suis désolé. C'est rien, c'est pas grave. On se verra à mon retour. Allez, salut. Ça va? Tu veux qu'on discute? Le poste de sommelier est vacant depuis une semaine et Aidan n'a même pas imaginé que je pourrais postuler. Il n'a même pas envisagé ma candidature. Je comprends que tu sois déçue. Une occasion pareille ne se représentera sûrement plus jamais. Peut-être que tu trouveras un poste dans un autre restaurant. Est-ce qu'il y a des choses qu'il refuse de voir en moi? Commencez par le fond là-bas. Bonjour. Salut. 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 Tu veux un blanc de blanc? S'il est du domaine Saverne. Jenna? Oui. Salut. Ah, salut. Bienvenue. J'ai laissé le gâteau dans la voiture, je le mets où? Bien sûr, le gâteau. Tu peux le poser ici. J'ai apporté ce que tu m'as demandé. Oh, c'est parfait, merci. Ils seront là dans 5 minutes. Écoutez tout le monde, ils arrivent dans 5 minutes. Dépêchez-vous de vous cacher. Ok, tous aux abris. Qu'est-ce que je fais? Ah, bah tiens, en attendant. Ok, c'est bon. Enfin, trouver ta maison. Surprise! C'est une surprise pour toute maman. On a réussi notre petit effet. Joyeuse anniversaire de mariage. Tu m'as rien dit. Ça fait plaisir. Ça a marché, papa, bravo. C'est fou. Mike, toi aussi, t'étais dans le coup. Je te remercie, Marcello. Il s'occupait de tout depuis le début. Enfin, tout le monde a participé. Tous travaillé dur. C'est pour toi. À nos 40 ans. À 40 ans de mariage. J'aimerais d'abord vous dire que je suis très contente que vous soyez tous venus partager ce moment magique avec nous. C'est réjouissant de voir qu'au bout de 40 ans de mariage, on arrive encore à se surprendre. Je voudrais donc tous vous remercier. Et je remercie particulièrement ma fille Jenna, qui me rend aussi fière depuis toujours. Ça me touche beaucoup que tu sois là, ma chérie. Oh. Un petit discours. Oh oui, encore un petit discours. Allez. Bon, d'accord. C'est bon, j'y vais. Je vais dire un mot. Mes chers parents, vous savez que vous avez toujours été des modèles pour moi, dans tous les domaines de la vie. Vous m'avez transmis votre savoir-faire et vous m'avez toujours encouragée à tracer ma propre voie. Mais le plus important, c'est que vous m'avez toujours montré combien votre couple était pour vous une force, un socle sur lequel on pouvait tout construire. Vous m'avez appris ce qu'était l'amour, le véritable amour. C'est une chose magnifique. Et c'est le plus bel enseignement que je pouvais recevoir, donc merci. J'ai vu que votre exploitation était en pleine révolution, enfin, qu'il y avait eu pas mal de changements ici. Mais
Il y a une chose que j'ai remarquée en arrivant et qui aurait besoin d'un petit... rafraîchissement. Attention. Tada! C'est un nouveau panneau pour l'entrée du domaine avec la date à laquelle grand-mère et grand-père ont fondé le vignoble en 1952. C'est un merveilleux cadeau. Si grand-mère était là, elle serait extrêmement fière de vous deux et de tout ce que vous avez fait ici. Tu sais bien qu'on travaille toujours avec passion et surtout, on aime travailler ensemble. Non, et c'est pas tout. J'ai failli oublier. On a une dernière surprise pour vous. Qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, Jenna! On croyait l'avoir perdu. Il était où pendant tout ce temps? C'est Marcello qui l'a trouvé. Et il a réparé le cadre aussi. Merci, ma chérie. Je vous aime très fort. Merci, Patricia. Je suis contente que ça vous plaise. J'ai hésité. Plus qu'un jour à Carrington. T'es prête à partir? C'est l'esprit de convivialité qui va le plus me manquer. Et toi, bien sûr. Tu vas nous manquer à tous. Je suis pas si loin que ça quand on y pense. T'as raison. Ce gâteau est magique. Avec un mélange de 4 épices, tout a meilleur goût. Tu crois qu'on pourrait produire un vin aux 4 épices? D'accord, peut-être pas tout, je retire ce que j'ai dit. Tu veux danser? Bien sûr que oui. Tant que tu approuves ce genre de... Tu peux éviter de faire ça en public, je te prie. Ah, trop tard. Allez, viens. D'accord. Un truc que je dis souvent, c'est qu'après une danse, on se sent toujours mieux. Si tu veux. Il y a le concours vinicole demain, est-ce que ça te fait peur? C'est bien. C'est bien. C'est ce qu'il faut. En fait, j'ai réfléchi et je me suis dit que... un nom qu'on pourrait donner à ton nouveau vin, ce serait... le cœur. Parce que... tu as mis tout ton cœur dans ton travail. El corazón. C'est encore mieux. Pour rendre hommage à tes racines. C'est une idée, mais pourquoi pas plutôt Maestra del Corazón. Le maître du cœur. Enfin, la maîtresse. Pour rendre hommage à toi. Mon petit doigt m'a dit que tu étais un peu contrarié. T'en fais pas pour moi. Bien sûr que je m'en fais pour toi. T'es ma fille, voyons. Qu'est-ce qui s'est passé avec Aidan? Son sommelier est parti. Il doit en engager un nouveau, mais il prend que des maîtres sommeliers dans son restaurant. Donc... mais t'auras le diplôme d'ici quelques semaines. Tout le monde a l'air de croire que je l'aurai. Sauf lui, justement. Et toi, qu'est-ce que tu crois? Moi? J'en sais rien. Jenna, viens t'asseoir une minute avec moi. J'aimerais te dire une chose que ta grand-mère m'a apprise. Une relation, c'est un peu comme un vignoble. Tu y plantes des graines, tu l'arroses, tu en prends soin. Mais ce que tu en retires à la fin dépend de ce que tu y as mis. Et surtout... c'est l'amour qui le fait fructifier. Ça fait tellement longtemps qu'on se connaît. Je croyais que je l'aimais, mais... comment ça se fait qu'il ne voit pas combien c'est important pour moi? Quel que soit le rêve qui t'anime, vous devriez avoir envie de le réaliser à deux.
Salut chérie. Comment ça va? Salut. Mais comment ça se fait que tu sois ici? Je suis venu te souhaiter bonne chance. Moi c'est Aidan. Marcello, ravi de vous rencontrer. J'ai entendu beaucoup de bien de votre vin. Moi j'ai entendu beaucoup de bien de votre restaurant. Je croyais que tu ne venais plus. Hé, nous on fait la queue. On parlera plus tard, goûte ça s'il te plaît, c'est le vin de Marcello dont je te parlais. Qu'est-ce que vous en dites? Disons que c'est un vin pas comme les autres. Je suis sûre qu'il va connaître un énorme succès. Si tu le penses, c'est sûrement vrai. Tous les participants au concours vinicole sont invités à s'approcher de la grande scène. Nous allons annoncer les résultats dans 5 minutes. On sera bientôt fixés. Alors, je te retrouve là-bas. Bienvenue à l'événement du jour, le grand concours vinicole de Carrington. Ce concours, qui était au départ une rencontre de producteurs locaux, est devenu aujourd'hui une des compétitions les plus réputées du pays. Une fête où sont présentés chaque année les meilleurs vins des vallées de Napa et de Sonoma. Les juges ont dit qu'ils avaient eu beaucoup de mal à prendre une décision et à sélectionner les vainqueurs. Je sais que chacun d'entre vous travaille avec passion et que vous mettez tout votre cœur dans vos productions. Rien que pour ça, vous méritez tous d'être récompensés. Alors, sans vous faire attendre plus longtemps, j'annonce que la troisième place du concours vinicole de cette année est attribuée au Pinot Noir Princesse du Château d'Entremont. Ok, ça va. Ensuite, en deuxième place, nous avons le Firecracker, un merlot du domaine Zeller Creek. C'est maintenant que ça se joue. Et à la première place, un vin qui vient de chez nous, de la petite ville de Carrington. Le Cabernet Apple of Eden du vignoble d'Avro. Félicitations aussi à tous les autres participants. Et maintenant, si les représentants des vins récompensés veulent bien monter sur scène pour recevoir leur prix, je rappelle à tout le monde que la fête continue. Alors profitez bien de cette belle journée. Rien du tout. J'arrive pas à y croire. J'étais tellement sûre qu'on aurait le premier prix. Ça va, toi? Ouais. C'est moins dur que ce que je pensais. Je suis même content d'avoir participé. Ah oui? Vraiment? Ouais. Bonjour, je m'appelle Jennifer. Jennifer? Bien sûr, bonjour, c'est un honneur. Moi, c'est Jenna Saverne. J'ai énormément d'admiration pour vous. Jennifer, bonjour, Aidan Parker. Vous êtes venue dans mon restaurant, Alluvial, à San Francisco. Oh oui, je me souviens. Enchantée. Et j'imagine que vous êtes Marcello Castillo. Oui, ravi de faire votre connaissance. Je voulais venir me présenter à vous en personne. J'ai goûté votre vin aujourd'hui et je dois dire que ça a été une vraie surprise. J'ai apprécié l'audace, l'originalité. On sent que vous êtes quelqu'un de très créatif. Ah, merci. Vous savez, les juges ne sont pas forcément friands de vin naturel, mais moi je pense que votre talent est indéniable. Wow. Et si par hasard vous avez envie de tenter l'expérience en Australie, je suis prête à vous embaucher sur mon domaine dans la vallée de Yarra. Je vous donne mon numéro personnel. Ne réfléchissez pas trop longtemps. Merci. Oh. C'est incroyable. Quoi? Attends, c'est encore mieux que le premier prix. Jennifer Huser a envie de travailler avec toi. Et elle t'invite en Australie. Oui, c'est fou. Hey, tu devrais aller lui parler maintenant. Non, allez, si, si, c'est maintenant ou jamais. Allez, vas-y, tout de suite. Allez, profite-en. Pardon, madame. Oh, vous pouvez m'appeler Jennifer. D'accord. Alors, Jennifer, je vais passer l'examen de maître sommelier dans 2 semaines et j'aimerais bien... Enfin, je voulais vous demander un conseil parce que je vous suis depuis tellement longtemps. Je crois sincèrement que le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'abord d'y aller sereine et bien préparée. Restez dans le moment présent. Mettez vos peurs de côté et profitez à fond de l'expérience. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui arrivent aussi loin. C'est important qu'on se serre les coudes, qu'on se pousse à réussir ce qu'on entreprend. Allez-y, épatez-les. Aidan, est-ce que je peux te parler? Oui, bien sûr. D'abord, tu peux m'expliquer comment ça se fait que tu sois là?
C'est ton père qui m'a appelé. Excuse-moi, c'était bête de ma part de ne pas venir à la fête. J'espère que je vais trouver comment me faire pardonner. Je veux que tu envisages ma candidature pour le poste. Je me sens prête. Si tu voulais la preuve que mon palais fonctionne, tu viens de la voir. Je n'aurais jamais dû en douter. C'est vrai. Tu devrais avoir confiance en moi. Dans 2 semaines, il y a de grandes chances pour que je devienne maître sommelier. Mais le plus important, c'est que j'ai envie de ce poste. À Marcello, la star du jour. Faut pas exagérer. Je sais pas si je vais accepter sa proposition. Oh, tu ne devrais pas te sentir obligé de rester pour nous. Tu nous as aidé à révéler tout le potentiel de nos vignes. On te sera éternellement reconnaissant. Je suis d'accord avec ça. À la vôtre. À la vôtre. Jenny. Je voudrais aussi féliciter Jenna, le nouveau sommelier du restaurant Alluvial. Bravo, ma fille. Je te félicite. C'est vrai, j'arrive pas à y croire. Je suis trop contente. Ça me rend vraiment très heureux. Je l'apprends en même temps que vous. Jenna, c'est une super nouvelle. Félicitations, tu le mérites. Je vais vous laisser fêter ça tranquillement, en famille. Je dois me lever tôt pour m'occuper du vignoble. J'y vais. Merci encore. Oui, je comprends. Tu as sûrement besoin de te reposer. Bonne soirée et bonne nuit. Bonne nuit. Une seconde, je reviens tout de suite. Attends. Attends. Je voulais juste... Je voulais te remercier encore. Pour tout ce que tu as fait. Tu crois que tu vas aller vivre en Australie? C'est une proposition difficile à refuser. Sache que tu m'as appris beaucoup de choses. Toi aussi, tu m'as appris plein de choses. Tu vas me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. Bonsoir, messieurs, dames. Voilà le vin que je vous recommande. Maestra del Corazon. Alors ? Très bon choix. Ah, c'est un plaisir de vous conseiller. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ah, ça va ? Tu pourrais vendre les bouteilles les plus chères. Un grand cru de la Rioja, par exemple. Oh, une région merveilleuse, mais ça n'irait pas du tout avec les plats qu'ils ont commandés. Comme tu veux. Ah, oh, tu te souviens que je dois partir tôt pour réviser ce soir. Mais tu viens bosser demain. Je viens de prendre une réservation pour 10 personnes. La veille de mon examen? Jenna, on a énormément de monde. J'ai besoin de mon maître sommelier. Je serai là à la première heure. Ok. Profite bien de ta soirée. Merci. Bien, ça va. Quoi? Bien, c'est tout? Oui, et sinon, j'ai une question. Est-ce que t'as eu des nouvelles de Marcello récemment? Je sais juste qu'il va partir en Australie. Donc, il a accepté le poste. Il a raison, c'est génial, c'est super pour lui. Tu devrais l'appeler. Non, ça va. Jenna. Je te tiendrai au courant, en sortant de l'examen. Ça marche. Je t'envoie des bonnes ondes, et je croise les doigts en même temps. Merci. Je prends. Bisous. Thank you.
C'est quoi tout ça? Tout ça, c'est notre nouveau Pinot Noir. Ce nom ne me dit rien. Ah, oh, ce vignoble sera bientôt hyper connu et on est les premiers à servir leur vin. Tu ne me demandes pas mon avis. Je croyais que c'était mon boulot de sélectionner les vins. Je veux être sûre que tu fais ce qu'il y a de mieux pour le restaurant. Je suis venue ici aujourd'hui. La veille du jour le plus stressant et le plus important de ma vie. Tu sais que quoi qu'il arrive, le poste sera toujours à toi. Ça a toujours été ton objectif de bosser ici, non? Non. Non, peut-être... Peut-être que c'était mon objectif à un moment de bosser dans un prestigieux restaurant. Mais je crois que... J'apprends à oser rêver plus grand. Je ne suis pas sûre de te suivre. J'ai envie de vivre quelque chose de plus fort comme... Comme ce qu'il y a entre mes parents. Des gens qui s'aiment et qui sont... Prêt à tout partager à égalité dans la vie. Alors que toi, tu n'as jamais cru en moi. Si je passe cet examen, ce n'est pas pour briller à tes yeux. Si je fais ça, c'est pour moi. Ça ressemble à une rupture. Je t'aime très fort, Aidan. Mais le problème, c'est qu'au fond, on n'a jamais eu les mêmes rêves. Vraiment désolée. Jenna. Bonne chance pour l'examen. Adieu. Tu vas nous manquer, Marcello. Mais tu nous as vraiment mis sur la bonne voie. Merci. Tu nous as beaucoup aidés. On a adoré travailler avec toi sur le vignoble. Oh, j'ai aimé travailler avec vous. Merci pour tout. En route. Merci. Merci de m'avoir convoqué. J'espère être à la hauteur. Bienvenue, mademoiselle Saverne. Comment allez-vous? Je suis très heureuse d'être avec vous. Vous avez 30 minutes pour identifier les 6 vins qui vous sont présentés. Bonne chance à vous. Il sent comme l'océan par une matinée brumeuse. C'est un assyrtiko, de Santorin en Grèce, 2020. On reconnaît les arômes d'ardoise et de pommes acidulées. C'est un Riesling des Finger Lakes dans l'état de New York aux États-Unis, 2019. Mademoiselle Saverne, vous avez une réponse ? Il est fort, avec beaucoup de corps et une bonne harmonie des saveurs. C'est un vin naturel de haute altitude, un tanat de Mendoza, année 2015. Originaire d'Argentine. À la vôtre! Bravo, je suis fière de vous accueillir dans la famille des maîtres sommeliers. Toutes mes félicitations, Jenna. Oh, merci, je suis tellement heureuse. Pardon, pardon, je suis désolée. Désolée.
es venu. Mais je croyais que... Je voulais pas rater ce grand moment. Ce serait pas des fleurs de Seibo? Si, c'est fou ce qu'on trouve dans les grandes villes. Elles sont assorties à ma nouvelle broche. T'es très classe avec. Ta grand-mère aurait été très fière. Si on sortait de ce hall... D'accord. J'ai quelque chose d'important à te dire. Donc voilà, j'ai parlé à Jill, le copain de ton père, et il est d'accord pour me vendre ses vignes. Ouais, il faudra que je souscrive un prêt. Il m'a dit qu'il voulait les vendre à la bonne personne. Et tu ferais ça au lieu de partir vivre en Australie? J'espérais avoir un maître sommelier à mes côtés. Mais si tu trouves que c'est trop de pression... Non, pas du tout. Non? Dis-moi ce que tu imagines. On serait sur un pied d'égalité. On partagerait tout. Je m'occuperais du vin, toi de l'aspect commercial. Mais bien sûr, tu prendrais part à toutes les décisions, à tous les niveaux. On déciderait ensemble des cépages, des méthodes. Enfin, de tout. Ce serait notre projet à nous. J'ai eu du mal à me sentir chez moi quelque part. J'ai cherché un lieu. Et j'ai compris que c'était plutôt une personne. Jenna. Je veux poser mes valises. Et je veux que ce soit avec toi. Oui. Oui? Oui. C'est vrai? C'est un rêve, c'est trop beau. Te quiero, Jenna. Je t'aime comme un fou. Te quiero. Marcello.